Alors, tantôt, on est venu nous demander de faire. On est en école. Parce que vraiment, vraiment. On a besoin de quelqu'un pour remettre la école tour à suivre. Pour remettre la école tour. Mais en tant que tel, dans les autres pays, on te demande tes compétences, tes papiers, mais au Mali, on te demande qui t'a envoyé. C'est pas vrai. Nous avons témoigné sur les deux questions posées parce que nous avons réponse pour ma belle. En tout cas, nous avons dit que 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 nous avons dit ce n'est qu'à Sinsi, à Kachari, à Kakekanye, Sorokakala, ce n'est qu'à Oka Sorokala, consommateur Oka Sorokala, mais surtout, Nabesika valeur donc, Nanga école n'a pas tout na, Amsika don, Barabe Soro, Barabeke, Sorobeke, Iriwabeke. En 1991, il y avait à peine 21% de taux de scolarisation. Nous sommes à plus de 80% aujourd'hui. Mais ben de quand ta école là, maintenant faut ben kata école là, mais école faut quand ta qualité quand ta nien. Ça veut dire aussi que nous allons faire de l'enseignant, du maître, qui sera parmi les métiers les plus attractifs, parce qu'il est mieux rémunéré. Mais à condition et minier, ni mi fonni que l'éthique soit respectée, en ganga reçue du ben bâti. Donc mon bateau, en ce cas-là. 21e siècle soudanais. Namsika koina une refondation des guerres. Angasika nga koma. Valeur nous n'en tout doux angasiguma. Kabarake noye, kanga fongsi noye, kanyeta yini noye. Donc je m'en ai encore un peu quoi islamé. Imite islamé ou chrétien. Imite chrétien ou bakat koula. Ni anka ni kobeta, je suis un litala. Je suis un libalawa. Namara balawa. Kase walfe mo balawa. Kase jamaka fe mo balawa. Et mon akobison bien akasin bien. Donc il faut renverser le système. Nous, on est convaincus que le Mali est malade aujourd'hui et que le problème est lié surtout à la mauvaise gouvernance. Et nous sommes des citoyens maliens et nous sommes conscients qu'il ne faut pas croiser les bras et qu'il faut faire quelque chose pour faciliter le changement dont tous les peuples maliens aspirent aujourd'hui. Et ce changement passera certainement par le choix d'un bon président. Et nous, après nos analyses, on a compris que la personne la mieux placée aujourd'hui pour redresser les choses, c'est Modibo Sidibé. C'est pourquoi on l'a convaincu aujourd'hui pour qu'il puisse venir échanger avec nos militants et nous convaincre davantage qu'effectivement nous sommes sur les bons choix. Donc je commence par féliciter les initiateurs de cette association qui ont mis en place un collectif Kurumba pour soutenir ma candidature et mes idées et ma vision pour le Mali. Je ne peux que les remercier. Et c'est là l'inspiration de la rencontre pour pouvoir échanger, se comprendre sur les programmes, sur leurs préoccupations, leurs besoins. Et vous avez suivi les échanges, les discussions. Je pense qu'ils étaient de qualité. Le maître mot, c'est un Mali maître de son destin. C'est la refondation. C'est le nouveau citoyen, le renouveau de la gouvernance, le renouveau de la démocratie, le renouveau de la politique. Et pour ça, il faut se rassembler pour redresser. Redresser et refonder. Voilà ce qu'on peut retenir, c'est la transformation.